Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille le métal. Pour réaliser des assemblages mécaniques ou même des décorations, c'est un matériau assez idéal. On peut le percer, meuler, souder, enfin bref, on peut vraiment lui faire prendre les formes qu'on veut. Le problème avec ce matériau, c'est qu'il n'est pas facile à travailler et nécessite pas mal d'outils. Imaginez maintenant que vous n'ayez plus besoin de percer, de souder, mais qu'une machine le fasse à votre place. Non seulement ça va vous permettre de ne pas manipuler des outils, mais en plus de ça, ça sera mieux fait. Parce que entre nous, on sait qu'une machine, ça travaille mieux qu'un être humain. Cette machine, ça fait longtemps que je veux la créer. J'ai d'abord commencé par faire une fraiseuse à commande numérique pour réaliser mes pièces en bois et en aluminium. Et maintenant, je me lance dans la construction d'une découpeuse plasma. Alors, un découpeur plasma, c'est une machine qui va découper de l'acier assez épais qui peut aller, dans mon cas, jusqu'à 15 mm d'épaisseur. Mais vous inquiétez pas, je vais vous la présenter en détail. Alors ma machine va être composée d'une structure faite en tube acier sur laquelle viendrait être boulonné un bâti en aluminium. Ensuite je viendrai assembler la table de travail faite avec différents fer plats et je viendrai finalement monter toute la mécanique dessus. Dans cette vidéo je vais vous montrer le début de la construction de ma machine et on continuera la construction dans les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence à créer la table de la machine. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done on my drink at this pace. To be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious. Fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Ça y est, la table faite de tubes acier est terminée. Donc ça s'est plutôt bien passé pour la construction. Pas très évident à faire, mais ça s'est quand même assez bien. Une alternative aurait été de faire cette table-là en profil aluminium. Donc c'est beaucoup plus simple, ça nécessite pas de soudure. On vient juste visser des équerres pour assembler les profils ensemble. Le problème, c'est que le prix, c'est 3 à 4 fois plus cher. C'est pour ça que le fer en acier, c'est plus intéressant niveau rigidité, niveau prix. Mais niveau facilité, c'est une autre histoire. J'ai reçu deux colis de chez Motedis pour pouvoir continuer la construction de la machine. Donc Motedis, qui est mon fournisseur, mon partenaire de la chaîne, qui m'aide lors de mes gros projets comme ça. Ils m'ont déjà aidé pour faire la fraiseuse à commande numérique et aujourd'hui, ils m'aident pour faire cette CNC plasma. Motedis est un fournisseur de profil aluminium. Ils font aussi tout ce qui est cinématique de machines mécaniques. Donc vous le verrez, j'ai commandé tout chez eux. Les rails, les crémaillères, les courroies, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour faire une CNC plasma. Allez, je vais dévoiler tout de suite et vous verrez ce que j'ai commandé chez eux. Tout ce qu'il y avait dans le colis, c'est d'abord toutes les chaînes passe-câbles pour éviter que les câbles ne s'en mêlent. J'ai aussi commandé plein de visseries, des équerres pour assembler tous les profils d'aluminium entre eux avec le kit de fixation, deux chariots qui vont aller avec le rail de guidage, des roues pour aller sur un axe calibré. Ensuite, toute la cinématique de l'axe X, c'est-à-dire une courroie et les roues dentées qui vont avec. J'ai aussi reçu 4 pieds
que je vais visser en dessous de la structure acier. En dessous de la structure, j'ai soudé des bouchons avec des écrous M8. Du coup, je vais pouvoir venir visser mes pieds et mettre la structure de niveau. J'ai aussi, comme vous avez vu, reçu plein de profils aluminium, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, ici, des passe-câbles. Il y a aussi les crémaillères, des ailes pour venir supporter les chaînes. Il y a beaucoup de choses que vous verrez tout le long de la construction. Allez, maintenant, le déballage est terminé. On va pouvoir continuer la construction de la CNC Plasma. Donc, je vais continuer en faisant le bâti aluminium, ce qui va venir juste au-dessus de notre table acier. La table de ma machine pourra accueillir des tôles de 1,25 m par 1 m. J'ai choisi cette largeur pour qu'elle puisse accueillir des tôles normalisées qui font 1,25 m par 2,50 m. N'ayant pas assez de place dans mon atelier, je ne pouvais pas construire une machine qui fasse 2,50 m de long. Par contre, je l'ai conçue pour qu'elle soit facilement allongeable. Il y aura juste à allonger la table et les rails, pas besoin de toucher à la mécanique ou de modifier des pièces. Le bâti en aluminium est maintenant terminé. Je vais venir le fixer à la table acier avec des vis et des écrous spéciaux faits pour les profilés aluminium. Pour mettre l'écrou dans le profilé, on va pouvoir le faire glisser depuis le dessus. Et en tournant, ça va venir placer l'écrou et le bloquer. Il y a un petit dessin ici qui fait que si on serre, on va bloquer l'écrou et on pourra serrer correctement. Donc je vais faire passer toutes mes vis avec tous les écrous et puis je viendrai serrer pour que ça ne fasse qu'une seule pièce. Et ça y est, c'est déjà tout pour cet épisode. Dans le prochain, nous allons fixer les crémaillères et les rails au bâti pour ensuite créer le bras de la CNC. Pour faire ce bras, nous allons commander des pièces découpées au laser chez John Steel. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma machine en commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.